As-tu déjà rêvé de voler ? Non, pas comme ça. De voler comme un oiseau. J'ai eu le plaisir de vivre ce rêve, et tout le monde peut le réaliser grâce à iFly. iFly se situe au Vélodrome de Paris et en arrivant, j'étais vraiment très contente, hein, Levana? Vraiment hâte. Oui, sauf que quand j'ai vu des professionnels en faire, j'ai plutôt réagi comme ça. J'ai jamais cru que ça allait être aussi haut. Là, je commençais à avoir peur alors que j'étais venue en étant tranquille. Je vous parle même pas de la tête qu'a fait Elina. En fait, tout le monde peut voler chez iFly. Les petits, les grands. Lui, il a déjà fait plusieurs séances de vol. Moi, je fais pas ça. Ah, c'est dur. On a le droit de faire ça? Moi, je fais ça. Non, mais il faut que tu sois fort. Comment ça, il faut que tu sois fort? Et petit à petit, on a commencé à avoir envie. C'est fou, quand même. Bon, j'étais quand même pas tout à fait rassurée. Oh là là. En dessous, c'est profond. Avant de commencer, nous avons suivi une formation. Bah oui, c'est important parce qu'on peut pas parler dans la cabine. Alors ils nous ont appris des signes de façon à ce qu'on puisse communiquer entre nous. Ils nous ont aussi montré la position des mains, des jambes. Saviez-vous qu'un petit peu avant de voler, les parachutistes utilisaient ces cabines, iFly, pour s'entraîner ? Vous volez dans la même soufflerie que les parachutistes et les pilotes de la chute libre utilisent pour s'entraîner. Ok, donc si je fais ce signe-là... Non mais Ethan, on n'est pas à l'école. Vous avez parlé d'un deuxième vol, mais c'est un vol, enfin c'est quoi le deuxième vol? C'est deux vols, en fait tu vas voler deux fois. D'accord, okay. Deux fois deux minutes. D'accord. Une fois qu'on a enfilé ses uniformes, on est enfin prêt pour décoller. C'est Ethan qui s'élance le premier. Maintenant, c'est à mon tour. Débrouille bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le trouvez aussi. À
Allez, c'est au tour d'Aurienne. C'est au tour d'Elina. C'est parti pour le second tour d'Elina. Et maintenant, place à Marco, notre sympathique moniteur. Ça va, c'était bien ? Super. Bof bof hein. Ah non mais j'ai adoré. J'ai l'impression que je pèse 5 kilos. Ouais. Combien ? Bien aussi un peu pareil. Au début ça bougeait beaucoup. On essayait vraiment de chercher des appuis mais ça marche pas. Là-dedans, il n'y a plus du tout des terriens. Donc on ne peut pas trouver d'appui. Il faut laisser l'air vous porter et la deuxième fois t'as un peu mieux compris donc c'était cool. Ça va le flyer, ça vous a plu les gars? Trop. Ouais. Ouais. Et quand on descend j'aime bien la sensation. Ouais, et... j'ai essayé de le faire un peu fort pour vous, parce que je me suis pété. Ouais. C'est vrai qu'on sentait qu'on était vraiment... Ouais, ouais. On ouais, sentait ouais. Les bras qui se décrochaient aussi. Oriane, c'était laquelle? Bon, on a essayé. Tu peux être contente quand même, il est où le sourire là? Hein? T'es quand même rentré dedans, t'en as, ils veulent même pas rentrer dedans, tu vois. Donc c'est déjà super bien, bravo. Sois fier de toi. Elina ? Oui. Ouais. Cool, on a réussi à voler. Est-ce que t'es contente ? Oui. Ouais, super. Félicitations, mademoiselle. Et les bananes ? Ouais. Eh ben bravo, c'est top. T'as bien volé. Merci. T'as bougé un petit peu les jambes. Mais sinon, c'était cool. Super. Voilà. Là, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, on s'est éclatés. On a adoré voler. C'est quand même quelque chose de voler. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de ça, petite. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettez plein de pouces bleus et surtout, abonnez-vous! Hey, salut, c'est moi, Levana. Tu veux être avertie à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo? C'est très simple. D'abord, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. S'abonner, c'est gratuit. Ouais. Et puis, tu cliques sur la cloche. C'est ça. Et si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux, eh ben, abracadabra! Et voilà, c'est magique, hein?
Bon bah maintenant, à toi de jouer. Levana, Solomon's Valley.